Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, on y va pour le sommaire. Une tentative d'évasion déjouée à la prison de Petit Verger à Pointe-aux-Sables ce matin, prison convertie en centre de quarantaine. Des détenus positifs à la Covid-19 surpris sur le toit aux petites heures ce matin. Une liste d'une quarantaine de suspects dressés parmi le capitaine du MV Wakashu. Provisoirement accusé d'avoir tué son fils Rengasamy Kisnasamy reste en détention. Mon frère était porté sur la bouteille, confie la sœur de la victime, témoignage dans ce journal. Elle prétendait être une prêtresse vaudou, une dénommée Fakima, marchande d'ol pourri, activement recherchée pour escroquerie. Une veuve de 65 ans l'accuse de l'avoir arnaqué la somme de 500 000 roupies. Maurice parait à toute éventualité avec l'ouverture complète des frontières le 1er octobre, affirmation de Pravin Jugnauth ce samedi. Pendant ce temps, Paul Béranger accuse le gouvernement d'avoir perdu complètement le contrôle sur la pandémie à Maurice. Et puis culture, après avoir signé Infinity, Lindsay Bagbot et Elijah au Backstage Lounge Bar ce soir. Moins de 24 heures après l'évasion ratée de la prison de Petit Verger, revenons ce soir sur le fil des événements, un scénario digne de la série Prison Break. C'est un plan élaboré par une quarantaine de détenus qui ont tenté de tromper la vigilance des gardiens de prison. Cela s'est produit vers 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs prisonniers, parmi des suspects dans des affaires de meurtre et de drogue, ont quitté leur cellule à travers une imposte et se sont retrouvés sur le toit. Ces détenus positifs à la Covid-19 étaient à la prison de Petit Verger pour recevoir des soins et leur quarantaine devait prendre fin cette semaine. Le prison officer Josian Babé explique que c'est grâce à la surveillance des gardiens et des caméras que cette tentative d'évasion a été déjouée. Grâce à la vigilance des officiers qui travaillent à la prison de Petit Verger, j'ai remarqué que plusieurs détenus ils grimpent avec barreau. C'était vers 1h30 du matin. Je peux secouer sa barreau-là avec l'intention pour enlever le barreau-là. Grâce aussi à la caméra, il se trouve que plusieurs détenus peuvent grimper avec le barreau. Alors, suite à toute l'alerte, ils me donnaient les renforts. Ils viennent à la prison Petit Verger. Et aussi, plusieurs gradés de la prison, ils viennent à la prison Petit Verger. Et en même temps, ils secouent bande détenue là. Alors, je suis un docteur parce que j'ai fini, termine, j'ai quarantaine. C'est-à-dire, suite à un test PCR, une trousse négative. Bientôt, bien sûr, je peux transférer dans différentes institutions pénitentiaires. Mais par contre, le cas des personnes qui sont involvées dans la tentative d'évasion, et le cas a été référé à la police de Pointe-aux-Sables. Si leur identité n'est pas connue pour l'heure, une liste d'environ 40 suspects a été dressée, liste sur laquelle figure Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du MV Wakashu. Les détails avec Shehzad Jadou. Positif à la Covid-19, le capitaine du MV Wakashu figure parmi une quarantaine de suspects qui ont tenté de s'évader de la prison de Petit Verger aux petites heures ce matin. Cette prison a été transformée en centre de quarantaine. Depuis, des présumés meurtriers et trafiquants de drogue contaminés au coronavirus se trouvent en traitement sur place. Les faits se sont produits vers 1h10 ce matin. Des bruits ont été entendus sur le toit de la prison. Un garde-chiume qui se trouvait non loin de cet endroit a immédiatement déclenché l'alarme. Selon des sources de la prison, trois détenus ont quitté leur cellule à travers une imposte avant de se réfugier sur le toit. À l'approche des gardiens, ils ont été forcés de regagner leur cellule. Une corde fabriquée avec des draps a aussi été saisie. Une enquête a été initiée par la police de Pointe-aux-Sables. En revanche, les gardes-chiumes en poste n'ont pu consigner leur version des faits car ils sont en quarantaine. Mon frère était très porté sur la bouteille. Malini se confie après la mort de Kevin Daraj Kisnasamy. La jeune femme est bouleversée après ce drame familial. Son père, Rengasamy Kisnasamy, 77 ans, a été arrêté pour avoir tué son fils de 38 ans. Le septuagénaire reste en détention. Cet habitant de Canroche, Henrietta, a
avoué avoir bousculé son fils après une énième dispute familiale à leur domicile jeudi soir. Kevin Daraj Kisnasomi a fait une chute et a été blessé à la tête. Le trentenaire a succombé à des blessures intracrâniennes à l'hôpital Victoria. La fille du suspect est désemparée. Pour moi, il y a un moment bien difficile. Déjà que j'ai fini de perdre mon concert, mon maman. Je n'ai perdu aucun membre de ma famille, mon frère. Nous pas une grande famille. Pour moi, c'est difficile. Je ne connais pas mon papa qui peut arriver plus devant. Côté été. Non, mais mon papa pensait que mon papa était fin que ce pour moi, pour lui, puis ses enfants lui-même. Même quand même commence cet été, j'étais ensemble dans la zone et maman parlait des fois, mon travail. Mais mon papa avec mon frère, puis beaucoup l'été ensemble. Mais mon papa connaît plus devant comment on pouvait. La facilement, je voulais me marier, mais mon père dans ses enfants. Bon, la famille paraissait grandir, mais puis diminué. Comme mon frère, pas boire, tout bon. Je tous les deux ensemble, je nettoie la cour, je fais des tout, assiser, manger, que télévision ensemble. Mais du moment que mon frère commence à boire, mon papa va prendre les comptes un jour, des jours, mais quand on allait, là, mon papa commence à coller au lit. J'ai dit que tu bois, tu dormis, tu es ensemble, tu ne peux pas lever, tu ne peux pas même manger, ni baigner. Je n'ai pas de problème là. Jour de la crise, samedi, un jour, on reste avec mon frère. Je me trouvais ce mercredi, mais avant de décéder, mercredi, je me trouvais mes acquis dimanche. Nous passons ensemble, nous faisons raquer, mais après, c'est un bon moment que nous passons ensemble. Mais qui prend les paroles comme si nous disions? Les dernières paroles, c'est tout coup de colis. Bois, les ressentants, qu'on est bon collé au lit, mon papa cause au lit. J'ai maman, tiens, tu quittes manger pour moi, des trois coups, tu viens nous commander la cuisine. Les larmes, tiens, se manger, vous posez la table, les prends, y'a à manger de cela ensemble. Elle prétendait être une prêtresse vaudou, une dénommée Fakima, marchande de dolpouri, opérant dans un tricycle VA à la rue Magon, activement recherchée pour escroquerie. Nasrine, une veuve de 65 ans, l'accuse de l'avoir arnaqué la somme de 500 000 roupies pour le sacrifice des animaux. Bernée par les paroles de la marchande de dolpouri, la sexagénaire lui a remis 500 000 roupies contre des services de sorcellerie pour résoudre ses problèmes. Le poteau rose découvert suite à une histoire de coco. Non, les gens n'ont pas pour prendre l'argent. Ils n'ont pas de rejoindre. Ils n'ont pas pu de rejoindre pour avoir un contact. Ils n'existent pas quand les gens sont à côté de l'hôpital. Ils ont dit qu'ils n'ont pas dormi. Du tout, ils n'ont pas dormi. Ils ont bouleversé à soir. Les gens ont dit 50 000. Ils ont payé 50 000. Là. 25 000, ils n'ont pas fait un rien. Ils ont dit mais 50 000 là, moi déjà dois aller pour valer des prêts. Moi j'ai dit non. Moi j'ai un gros l'argent, moi je ne peux pas carrer de droit même, encore. Un petit portion, moi j'ai ma vie, moi j'ai besoin de ça pour payer des dettes, non. Et là tout de suite dans le terminal, je me dis, moi pas le causer avec mon grand grand monde. Si j'ai 50 euros, là j'ai la tête. Là, moi commence à l'envoyer, quand il téléphone, aussi, moi pas prend. Mais ce qui m'imagine, il téléphone moi. Dindjaman, quand la montre l'eau l'île, je vais gagner l'esprit. Après, je viens devant la porte l'entourage, je vais gagner pour les deux. Quand tu montes l'eau l'île, il n'y a pas de téléphone, je reste dormi. Quand tu entends le téléphone, je vais dire, je vais dormir. Hein? Et riez, car c'est un grand rire avec moi. Je vais gagner très d'entendre, pas au commencement, quand on finit de l'argent. Mais pour moi, je vais servir les leçons. Hein? La police a débarqué au domicile de la marchande de dolpouri, mais elle n'y était pas. Son tricycle a été aperçu non opérationnel ce samedi 28 août. Selon nos recoupements, elle a plié bagages. Victime d'un grave accident jeudi soir à Rocheter, Ritesh, 32 ans, et Arasen, 17 ans, sont dans le coma. Leurs proches confient qu'ils revenaient de chez leur revendeur de drogue. Nisha explique que son époux Ritesh se drogue depuis bientôt 3 ans. Père de 3 enfants, Ritesh avait tenté de sortir du cercle vicieux de la drogue, mais en vain, dit-elle. La mère de Arasen est elle aussi bouleversée. Il y a un garçon qui prend l'inhalé là. Le garçon là, il dit qu'on prend, mais nous allons nous pas prendre sa paire. Le garçon là, que le garçon là, la case. Il y a un garçon là, mais le garçon là, il dit qu'on prend. Oui, attends un petit moment, nous allons. Il dit qu'on prend votre skate inhalé. Puis moi, je pense que dans ma tête, je vais sur madame, mon pédé, mon équipe, mon arrivé là, sur madame, puis je vais me lever là, téléphoner de ce portable. Je dis ça, mais mon garçon, madame, je vais me mouler, Je vais me mouler, pépini là, mais. On est allé dans les affaires, pas ceci. J'allais prendre mon garçon, allé dans la motocyclette, puis c'est un poste. C'est un poste, on est allé, c'est une fini qu'on. C'est un petit tapon, c'est une héroïne, je peux venir. Là, comment elle peut venir dans la motocyclette, mais ce qui m'a pensé, elle est là-bas même.
Jaman le te lan tap avec lui dans votre esprit là. Moi je le te lan tap et je suis venu une pression là. Le te lan peut séparer même. Je vous le disais au sommet à Maurice, parer à toute éventualité avec l'ouverture complète des frontières le 1er octobre prochain. Affirmation de Pravin Jugnauth. Pour le Premier ministre, il est important de garder un équilibre entre l'ouverture des frontières et l'économie. Et il faut être réaliste, dit-il. Le leader du MSM répondait aux questions de la presse à l'issue du bureau politique du parti qui a eu lieu ce matin. Pravin Jugnauth se dit satisfait du taux de vaccination dans le pays. Il est au micro de Ruth Radjessar. Nos systèmes nous paraît pour une éventualité qui nous peut penser capable d'arriver, mais seulement quelle est la solution? Dis-moi, quelle est la solution? Qui? Quelle est l'alternative? Est-ce qu'il nous fait un lockdown? Est-ce qu'il nous ferme le pays? Et s'il nous ferme le pays, nous vous ferme le pays pour combien de temps? Donc, vous êtes réaliste, comment vous dire? Et si à tout qui, Zodi, nous bien progresser en termes de protection de la population, parce qu'il est bien content, ou satisfait, que quand nous faisons appel à la population pour venir faire vaccin, mais la grande majorité, ils viennent de l'avant pour faire vaccin. Par ailleurs, Manish Gobind est le nouveau secrétaire général du MSM et Maïn Sirotun, assistant secrétaire général. Une décision entérinée par le bureau politique du MSM ce matin. Le flou persiste autour de la réouverture totale des frontières. Ce sont là les propos de Paul Béranger face à la presse ce samedi. Selon le leader du MMM, le gouvernement a perdu complètement le contrôle sur la pandémie à Maurice. Il soutient qu'aujourd'hui, les pays qui ont les moyens constatent qu'il faut une troisième dose, surtout avec l'apparition des variants. On ne sait pas pour combien de temps les vaccins seront efficaces et s'ils pourront faire face aux variants, déclare Paul Béranger. Il y a une coquille vide, ça. Je peux garder lui, mais qui peut changer qu'il nous vient connaître? Nous, mais là, strictement, étant ça, il permet de faire certaines quelque chose, c'est une nécessité, mais il n'y a pas dire grand-chose. Enfin, il y a un signal bon, bien contradictoire. Hein. D'un côté, le Premier ministre, même, vient dire, si toi, le bien, va réouvrir la frontière, je te baisse le nombre de jour de quarantaine de moitié, je laisse filtrer qui sa limite de 50-10 moun pour ban get together, pour ban réunion, etc., pour changer, après pas dire nous n'en rien, il est bien malsain. Et là, je te dire que la période est étendue, mais sans dire à nous le contenu, en vérité. Ce sont les règlements sous la Quarantine Act qui sont prolongés à Maurice jusqu'au 31 décembre prochain et non pas la quarantaine elle-même, précision apportée par le docteur Zoubeir Djoumaï à Radio Plus. Le conseiller au bureau du Premier ministre ajoute que cela ne remet nullement en question la prochaine étape de la réouverture complète des frontières. Zoubeir Djoumaï explique que la situation n'est pas encore retournée à la normale, d'où cette décision. Ce qu'il a annoncé, c'est le fait qu'il quarantine période pour étendre jusqu'en 31 décembre. Il veut dire que les provisions de la loi quarantine qui est liée au COVID, ils restent en vigueur. Ça veut dire toutes bonnes mesures qui nous préconisaient pour le COVID. Mais ça ne pas remettre en cause du tout les différentes phases d'ouverture et les différents protocoles que le ministère met en place. C'est la loi qui permet de demander une directive concernant le COVID, par exemple pour deux masques et toutes les autres dispositions, le fait que le ministère ait un droit déclare un endroit, une zone de quarantaine ou prévision pour déclarer une zone rouge, etc. Donc tout ça, la loi là, c'est sa période là qui étend jusqu'au 31 décembre, bien sûr, parce qu'il nous prévoit, qu'il nous prend cours et il y a une menace concernant le COVID. La suite de ce journal après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons.
Bicorp Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices, présent plus que 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Saban Savella. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban type prix et dans tout ban supermarché et la boutique près que tout. Eagle Brand, the spice master. Et parlons sport à présent, Anaïs Angeline disputera directement la finale du saut en longueur prévue ce dimanche à 14h12 au stade olympique de Tokyo. 9 participantes se disputeront le titre dans cette épreuve. Angeline sera la première Mauricienne à disputer une finale des Jeux paralympiques. Content d'être qualifiée pour la finale du saut en longueur. Les 200 mètres d'hier, c'est que du passé pour moi. Et je sais que les concurrentes du saut sont très très fortes, mais je donnerai tout pour faire honneur au pays. Et quel est votre état d'esprit actuellement? Mon état d'esprit, pour l'instant, je suis sereine. Demain aussi, je ne vais pas réfléchir avant de sauter. C'est peut-être pas ça que je vais pouvoir aller plus loin. Brandy Perrine sera en action demain dans la première série du 800 mètres catégorie T54. Elle partira du troisième couloir. 6 participantes sont engagées dans cette course. Brandy Perrine est à sa deuxième participation aux Jeux paralympiques. Bon, pour en action dimanche au 800 mètres fauteuil, je me sens bien et c'est un grand plaisir pour moi de participer aux Jeux paralympiques pour la deuxième fois. Je vais faire mon maximum pour me faire un bon chrono et réaliser une bonne performance. Compétition ici au niveau tout meilleur dispositif qu'il a, mais moi, je vais donner le meilleur de moi-même. Mon préparation est bien passée, même à Tokyo, l'entraînement continue. Et Noémie Alphonse effectuera, elle, son entrée demain. Elle sera engagée dans la deuxième série et partira du cinquième couloir. C'est son amour pour la danse et la musique qui l'ont mené jusqu'à TikTok. Au-delà de son handicap, Yannick Lafleur, 31 ans, s'affiche sur cette plateforme sur laquelle il cumule plus de 300 000 likes. Souffrant d'un handicap physique suite à une négligence médicale, aujourd'hui il souhaite servir d'exemple et devenir l'ambassadeur des personnes en situation de handicap sur les réseaux sociaux, d'autant plus que son frère cadet souffre aussi d'un handicap. Je suis très content parce que je trouve qu'il est plein de joie, il y a une garçon, il a envie d'avancer, il est content la vie, il est content danser, il est content camarade, content la famille et mon collègue tu peux danser aussi parce que nous aussi nous content danser. Moi depuis que j'aime bien content danser, j'ai offert bien content danser. Moi je sais plus il est content danser. Ben je trouve qu'il peut-être qu'il y a maintenant, je suis contente, mais c'est un peu timide, mais Motuli, il est un peu plus de nous. Il est un peu pas timide. Motuli, bien avancé, là, il est content, ça fait plaisir. Mais après, la ligne commence à montrer moi ben, ça, ce qu'il peut gagner parfois. Il y a beaucoup de monde bien apprécié, c'est mon papa a dit non, rien. Mais il y en a quelques parmi qui attaquent. Je dis à l'Ienne que c'est désagréable.
Parlons culture pour terminer. Lindsay Babot et Elijah vous donnent rendez-vous ce soir au Backstage Lounge Bar à Eben pour la présentation de leur album Infinity lors d'un showcase. Un album qui comprend 8 titres. Le 8, chiffre fétiche de Lindsay Babot. L'idée de ce titre Infinity vient de ce chiffre 8 retourné. Cet album, selon Lindsay Babot, est un mariage. Maurice Cécile qui ne s'arrêtera pas là. L'infini, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable d'atteindre. Yes. Et pourquoi le choix de ce titre? Ben déjà, et l'album Infinity, quand on choisit le nom de titre qui va apparaître dans l'album, c'est numéro 8. Moi, numéro 8, c'est New Beginning. Et il a exactement tout l'astuce pour devenir numéro 8 qui fait le signe d'Infinity. Et c'est là qu'il y a l'idée d'appeler l'album Infinity. Voilà. Alors, quand on écoute l'album là, on trouve une variété de styles, une pléiade de saveurs qui est reliée à Cécile et Maurice. Au final, adopter Cécile, j'ai l'impression. Moi, en fait, c'est Cécile qui a adopté moi. C'est le contraire, c'est Cécile qui a adopté moi. Et au niveau musical, je connais, c'est pas vraiment mon style, mais ça dit, on a à côté, moi, une pousse moi en déo, mon comfort zone, fait pour vous qui, voilà, pour poser la musique. Comment Mal Maurice a fini à accueillir justement ou style? Et là, il y a un mixage de style et un mariage de style. Ouais, moi pour moi, mon premier titre, mon capable qui me fait un peu d'amour, c'est Coco. Mais après Coco, c'est un affaire qui va être comme on dit avec Lizzie. Moi, je crois vous dire, this is the last. Dernier masque de Saperon. Après, il y a une boule niaise, voilà, où on va peut-être trouver, voilà, dans la niaise. Mais Lindy, tu dis pas là où ça niaise. C'est lui qui est dans mon zone, il avait monté, il dit, ah, il y a encore un opéron. Il y a encore un opéron pour monter. C'est un niveau que tu crois bloqué, mais comme on veut dire, c'est des affaires qui sont bloquées, ouvertes, et puis là, de sa manière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.